Yo la mi-phase était là, j'espère que vous allez bien les potes aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Comme vous voyez, il fait nuit, c'est totalement normal. Je vous explique après l'intro. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, c'est hyper important aussi. N'hésitez pas à aller en description les gars, il y a tous mes liens. Il y a ma chaîne secondaire, il y a mon Twitch, mon Insta, mon Discord, la boutique de vêtements, la map Taylor City, le formulaire pour être acteur. Bon, pour l'instant je cherche pas trop d'acteurs, mais c'est par la suite. Regardez les gars, en fait durant la nuit j'ai entendu un gros flash, qui a illuminé toute la map. Vous voyez derrière moi, il y a un truc qui est apparu. Tu l'as vu aussi le flash? Ouais. Ok. Alors regardez les gars, Il y a ces trois panneaux là qui ont apparu. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai appris qu'il y avait un savant fou qui s'est installé en ville. Bon, un savant fou, c'est un peu la description qu'on a tous. Mais un savant. Du coup, on va aller vous le voir. Si tu veux, tu peux aller te recoucher, toi. Ok. Bon, attendez les gars, on va prendre un panneau. Est-ce que je l'ai bien? Oui, c'est nickel. Bon, du coup, les gars, on va aller voir le savant fou. Hop, regardez, le laboratoire, il est juste derrière la boulangerie. Voilà, il est ici. Bon, je pense qu'il est encore en aménagement parce que ça n'a pas très longtemps. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est l'été, non? Les gars, je crois que le savant il a pété un plomb. Comment vous appelez, docteur? Comment? Je réfléchis un peu. Moi, je sais plus. Vladimir. Tu t'appelles Vladimir. Comment vous vous appelez, docteur? Vladimir. Les gars, ça c'est un prénom plutôt. Attendez, j'arrive. Les gars, Vladimir, c'est un peu un prénom psychopathe, ça, non? Comme parle du truc de Russie, là. Bon, les gars, on y va. Bon, je dois... Mais vous êtes rudement étrange, docteur. Oui, du coup. Il faut que je vous parle. Alors, bah venez. Et il y a un truc qui est trop... Oh lolo, je me fais aspirer par les machines. Oui, il y a quoi? Il y a un flash qui est apparu devant chez moi, docteur. Et il y a cette image là en trois fois qui s'est apparue. Venez voir. Et c'est normal, d'après vous, c'est normal que ça a apparu comme ça devant chez moi? Non. Bon, faites pas attention, c'est un peu mortuaire chez moi. Avec les décos d'Halloween, ça fait un peu mortuaire. Non, c'est très bizarre. Voilà. Il y a que ça, docteur? Il y a que ça qui est apparu. Il y a pas que ça, il y a une flèche. Une flèche? Elle montre où? Elle montre le plafond, le ciel? Non, ça monte là-bas, là. Ça monte la piste. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez sur vous? Il y a une piste d'atterrissage? Oui, une piste d'atterrissage pour un avion, totalement. Les gars, c'est quoi? Il y a un truc derrière. Les gars, c'est quoi la lumière au fond? Attendez, ben je vais aller voir, n'allez pas. Non, n'allez pas voir, docteur! Remontez! C'est dangereux! Non, mais inquiétez-vous pas. Je vais aller voir, je vais m'aventurer. Non, aventurez-vous pas. Il a pété un plomb, les gars. On ne sait même pas c'est quoi, et puis il veut rentrer comme ça dedans. Et c'est quoi, docteur?
sais pas. On va aller chez moi. On va aller. Bon, d'accord. Bon, les gars, il y a mon frère. Prenez le panneau. Prenez un panneau. Bah, il y a un panneau chez vous, docteur. Je l'ai laissé là-bas. Pas recommencer. Vous me faites très peur, là, docteur. Oui, moi-même, je me fais peur. Dans mon ancienne ville, il y avait ça aussi. C'est pour ça que j'ai donc déménagé. Oh, les gars, les gars, je sais pas c'est quoi, mais j'ai eu un gros rollback. Ça présume rien de bon. Alors. Bon, je rentre comme ça, docteur, hein. On va être amis. Oui, attendez, non, on n'allait pas là. Ok, attendez. Et docteur, c'est quoi cette machine qu'on se fait aspirer dès qu'on passe sur le tapis rouge? Ça c'est rien, ça c'est rien. C'est marrant si je passe dessus? Je ne vous conseille pas. Je l'ai bien eu, les gars. À part si vous voulez vous transformer en zombie. Ah bah non, en fait on va descendre. C'est quoi dans ces cartons? Attendez. Merde, venez. Eh mais les gars, j'ai des rollbacks depuis tout à l'heure quand même. Secure, contient, protect. Sécuriser, contenir, protéger. C'est une fondation. Où vous avez trois catégories. Ouais. De monstres. Oui. D'abord, vous avez les safes. Ouais, et c'est quoi les safes? Les safes, c'est des monstres qui vous font rien en fait. Ils sont hyper sympas un peu, on va dire ça comme ça. Mais c'est quand même des monstres. Ok. Puis après, vous avez les Euclides. Les Euclides, c'est moyen. C'est un peu. C'est quand même agressif, mais moyen. Ok. Et là, vous avez. J'espère que vous êtes prêts. Ah oui. Les Keter, c'est quoi ça? C'est. Faut pas vous approcher d'eux en fait. Ils vous tuent en un seul coup. C'est des monstres hyper puissants. Et il y a tout ça, ces trois trucs là, sous ma maison. Oui. Et donc la SCP Fondation trouve des monstres. Comme ça un peu, et c'est pour ça qu'il y a une base, c'est pour les surveiller et tout, qui vont pas dans la ville, et ça, je sais pas pourquoi ça vient directement chez vous, parce que dans mon ancienne ville il y avait ça aussi chez moi, et là c'est pour ça que je vois. Bah les gars, vous savez quoi, si vous en savez plus, dites le moi en commentaire, et vous savez quoi, 500 abonnés, les gars, on rentre dans la fondation. Voilà, aux 500 abonnés, je vous le dis bien. Pour l'instant, il n'y a rien à craindre, docteur. Pardon ? Pour l'instant, il n'y a rien à craindre, j'ai pas vu de monstre. Non, faut voir quand il y a des monstres qui sortent. En fait, Donc, peut-être qu'il n'y aura rien qui va sortir. J'espère. Parce que normalement, tous les monstres sont dans des cellules sécurisées. Ok. Ce que j'ai entendu, c'est des cellules ou c'est des vitres teintées. Comme vous voulez, il y a des vitres, c'est coloré de leur côté. Mmh. Mais de notre côté à nous, on les voit. Ok. Attendez, je vais essayer de voir un prototype précédent. Normalement, j'essaye de voir le prototype parce que j'essaye de travailler là-dessus un peu. C'est des prototypes, bon c'est pas exactement la même couleur, mais les gars, que c'est bon. attendez, faut que je vais parler un coup aux abonnés, j'arrive. Ah, okay. Alors les gars, qu'est-ce que le docteur me raconte? Je l'ai déjà vu passer sur une information à coup à la télé, et
Il disait que... Bah, qu'il y a des monstres, des Euclides, qu'on peut pas regarder. On regarde, on se fait tuer. Voilà. Tu les regardes à peine, ils te quick, t'es mort. Du coup, j'espère que la Okaki va sortir et puis on va essayer d'enquêter un jour ou l'autre dessus, mais pour l'instant. Pour l'instant, s'il n'y a rien qui sort, bah écoutez. Ça va arriver, ça va partir quoi. Bon allez. C'est bon. Mettez-vous à côté de moi. Ok. Bah c'est du vert orange quoi. Ouais, ouais. Attendez. Mais les gars, le jeu, il n'y a pas de freeze là depuis qu'on parle. Vous avez mis de la Vous avez mis de la concrete là. Vous l'avez changé là pendant que je faisais le tour. Non. Parce que. Bah. Regardez. Il y a un côté c'est, qu'on voit, il y a un qu'ils ont, en fait. Donc eux ils nous voient pas, mais nous on les voit. Ah ok. Voilà. Bon, ça y est quoi, docteur? Moi je vais rentrer chez moi. Ouais, et puis. Si vous entendez du bruit, n'hésitez pas à me voir. Ok. Il se passe de plus en plus étrange chez vous. Par contre, il y a quelqu'un qui a moi, j'ai l'impression. Putain, je suis. Des présences, mais vous êtes débile, docteur. Bon, allez, au revoir, je m'en vais, moi. On se voit peut-être demain. Bon, ben, s'il y a un monstre qui va chez vous, tant mieux. Bon, les gars, j'ai dû partir, elle est totalement mongole. Oui, je sens une présence chez moi. Non, les gars, on est où? Il est pas en train de me suivre, quand même. Bon les gars, on devrait plus l'entendre, je suis assez loin maintenant. Vous savez quoi les gars, on va faire la fin de la vidéo. Bon, en tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je suis en vidéo ou à chaque fois que je suis en live. Puis moi les gars, je vous dis, c'était l'heure, pas au servir. Allez, ciao ciao.